Bonjour tout le monde, comme d'habitude, c'est l'heure de correction, c'est l'heure de correction des exercices sur la scène de français de tous les jours, la scène de français de tous les jours, comme d'habitude, c'est la fin de notre série, la deuxième série de français de élémentaire maintenant. Elle est la page 107, page 107. Nous allons travailler les points grammaticaux, hein, les points grammaticaux d'abord. Offrir, hein, le verbe offrir. Hein. J'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent. Verbe offrir. J'offre, tu offres, hein, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent. J'ai offert, hein, le PP, le participe passé, le PP. J'ai offert hier. Et j'offrirai demain. J'offrirai demain. J'ai offert hier et j'offrirai demain. Et maintenant, il faut que conjuguer du verbe aller, le verbe aller, hein, au subjonctif, hein, au subjonctif. Alors, il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que tu ailles, il faut qu'il aille. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez là? Aille. Il faut que tu ailles, il faut qu'il aille, il faut que nous allions, ah, nous allions, allions, il faut que nous allions, il faut que vous alliez, il faut qu'ils aillent, ok? Nous allions, vous alliez, qu'ils aillent, ok? Lorsqu'on dit dans le langage courant, dans le langage oral, sans avoir besoin de rajouter une fois, bien entendu. Faut que, on peut employer sans il. On peut aussi omettre, laisser à côté le sujet il. On peut aussi laisser à côté. Có thể bỏ cái chủ ngữ il này đi trong văn nói. Faut que j'aille, faut que tu ailles, faut qu'il aille, faut que nous allions, faut que nous alliés, faut qu'ils aillent. Ok? C'est dans le langage courant. Et puis, il faut que j'offre, le verbe offrir, bien entendu. Il faut que j'offre, il faut que nous offrions, il faut qu'ils offrent. Ici, il n'y a pas tout le sujet. Simplement, dans la vie courante, on n'a pas besoin de tous les sujets. Et donc, du coup, ici, on a seulement le je, le nous et le il. Trong cái cuộc sống bình thường này, đôi khi không cần hết. Cho nên chúng ta chỉ quan tâm tới những cái điều mà bình thường ở đây là chủ ngữ je, nous, il mà thôi. Đối với verb offrir, đối với động từ cho, tặng, tặng cho ở cái subjonctive mình chỉ cần chia cái ba ý này thôi. Đây là những điểm mấu chốt. Et maintenant, le verbe faire au subjonctif. Ok, verbe faire au subjonctif. Il faut que je fasse, il faut que tu fasses, il faut qu'il fasse, il faut que nous fassions, il faut que vous fassiez, et il faut qu'il fasse. Pareil. Fasse, faut que je fasse, faut que tu fasses, faut qu'il fasse, faut que nous fassions. Faut que vous fassiez, il faut qu'il fasse. Hein, vous voyez? Et pareillement, hein, pareil, le verbe venir. Le verbe venir, il faut que je vienne. Il faut que nous venions. Hein, venions, il faut qu'il vienne. Vienne. Hein, N-E, N-I-O-N, N-E-N-T. Okay? Bon. Maintenant, on va corriger l'exercice. Allez, le numéro 1. Monsieur, vous êtes assis sur ma robe. Ông à, ông ngồi trên chiếc váy của mình đấy. Je vous demande pardon. Ôi, xin lỗi nha. Mais il y a tant de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a tant. Pas autant, jamais autant. Autant là cũng giống như. Mais ici, il y a tant. Il y a beaucoup, il y a tant de monde. Dans cet autobus, trên cái xe buýt này có quá trời nhiều người. Ok? Monsieur, vous êtes assis sur ma robe. Je vous demande pardon, mais il y a tant de monde dans cet autobus. Bon, numéro 2. Bonjour, mesdames. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Comment? Vous ne me reconnaissez. Ah, vous ne me reconnaissez, le verbe reconnaître. Vous ne me reconnaissez, vous. Ah, vous ne me reconnaissez pas. Je suis votre boulanger. Hein? Vous voyez la boulangerie, hein? Là où on vend le pain. Et donc le monsieur est un boulanger. Et donc je suis votre boulanger.
Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Comment vous ne me reconnaissez pas? Je suis votre boulanger. Allez, numéro 3. Papa, papa, tiens, papa, qui est cette personne qui nous salue quand nous quand nous la rencontrons dans la rue? C'est un de mes amis. Đó là một trong những người bạn của cha. Ai chào chúng ta khi chúng ta gặp người đó trên đường vậy đó. Papa, qui est cette personne, qui est la personne qui nous salue quand nous la rencontrons, dans la rue? C'est un de mes amis. Et puis le numéro 4, il faut que nous rencontrions à la maison. Il faut que nous rentrions, verbe rentrer. Il faut que nous rentrions à la maison. Rentrions à la maison. Mais d'abord, il faut que nous achetions. Il faut que nous achetions du lait. Hein? Achetions du lait. Alors, on va conjuguer le verbe rentrer. Le verbe rentrer au subjonctif. Faut que je rentre. Pardon, le verbe rentrer. Allez, rentrer. ER, rentrer. Voyons. Ici, subjonctif. Faut que je rentre, il faut que tu rentres, il faut qu'il rentre. Il faut que nous rentrions, vous rentrions. Il faut que vous rentriez et il faut qu'il rentre. Nous rentrions, vous rentriez, il rentre. Et donc, du coup, nous rentrions à la maison. Chúng ta phải về nhà rồi. Mais d'abord, il faut que nous achetions, verbe acheter, achetions, du lait. Nhưng mà chúng ta cần phải mua sữa nữa. Numéro 5. Il ne faut pas que nous allions, vous voyez ici là, il ne faut pas que nous allions, faut pas que nous allions ensemble, không cần đi chung với nhau đâu bà. Papa, je vais y aller. Seul, quand c'est dit tự đi ra đó. Numéro 5, il ne faut pas que nous y allions ensemble, papa. Je vais y aller seul. Okay? Numéro 6, je voudrais un chapeau qui ne soit pas trop cher. Cháu muốn mua một chiếc nón mà không mắc lắm. Mettez-y une belle plume. Và cho vào trên đó một cái cọng lông đẹp. Đấy. Une belle plume, lông vũ đẹp. Tạo kiểu đó. Je voudrais un chapeau qui ne soit pas trop cher. Hein? Être subjonctif. Subjonctif, le verbe être. Okay? Un chapeau qui n'est pas cher. Et donc, je veux, je voudrais. Hein? Mình muốn một điều gì đó. Il faut utiliser le subjonctif. Je voudrais un chapeau qui ne soit pas trop cher. Hein? Mettez-y aussi une belle plume. Et alors, numéro 7. Marie, dis-moi. Où as-tu trouvé ce chapeau pour que j'aille aussi m'en acheter un. M'en acheter un. Ah, ok. Marie, dis-moi où tu as trouvé ce chapeau pour que j'aille aussi m'en acheter un. Hey, Marie nói cho mình biết là cậu nó tìm thấy chiếc nó này ở đâu để mà mình cũng muốn đi mua mua một chiếc giống như thế. Numéro 8, pourquoi te moques-tu? Pourquoi te moques-tu de mon chapeau? Tại sao cậu khinh khinh cái chiếc nón của mình, coi thường chiếc nón của mình? Pourquoi te moques-tu de mon chapeau? Parce qu'il a, ça c'est le verbe se moquer, hein? Okay? Donc, pourquoi te moques-tu de mon chapeau? Parce qu'il a une plume, bởi vì nó có cái cọng lông trên đầu phải không? Parce qu'il a une plume. Oui, il est vraiment drôle. Nó thiệt là mắc cười quá. Il est vraiment, vraiment drôle. Le numéro 9, tu peux t'en moquer, ok? Verbe se moquer. Et donc, tu peux faire quelque chose, tu peux te moquer de quelque chose. Et donc, tu peux t'en moquer. Cậu có thể đùa đấy, cậu có thể đùa chọc ghẹo đấy. Mais, il me rend service quand même. Tuy nhiên, quand même, tuy nhiên, nhưng mà tuy nhiên nó cũng cũng giúp ích cho mình lắm đấy. Il me tient chaud, verbe tenir chaud, il faut se rappeler ici. Faut se rappeler le verbe tenir chaud. Nó giúp cho mình giữ ấm. À, tenir là giữ, cầm giữ, nắm chắc một điều đó.
Il me tient chaud. Il me tient chaud. Quand il fait froid, khi trời lạnh, thì nó giúp cho mình giữ ấm. Il me tient chaud. Voilà. Je répète les exercices dans son ensemble. 1. Monsieur, vous êtes assis sur ma robe. Je vous demande pardon, mais il y a tant de monde dans cet autobus. Numéro 2. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Comment vous ne me reconnaissez pas? Comment vous ne me reconnaissez pas? Je suis votre boulanger. 3. Papa, qui est cette personne qui nous salue quand nous la rencontrons dans la rue? C'est un de mes amis. Numéro 4. Il faut que nous rentrions à la maison. Mais d'abord, il faut que nous achetions du lait. Numéro 5. Il ne faut pas que nous y allions ensemble, papa. Je vais y aller tout seul. Numéro 6. Je voudrais un chapeau qui ne soit pas trop cher. Mettez-y aussi une belle plume. Le 7. Marie, dis-moi où tu as trouvé ce chapeau pour que j'aille aussi m'en acheter un. Numéro 8. Pourquoi te moques-tu de mon chapeau? Pourquoi te moques-tu de mon chapeau? Pourquoi se moque-t-il de mon chapeau? Pourquoi se moque-t-elle de mon chapeau? Ok? Parce qu'il a une plume. Ah, oui, il est vraiment drôle. Numéro 9. Tu peux t'en moquer, mais il me rend service quand même. Il me tient chaud quand il fait froid. Voilà. C'est la fin de notre correction de devoir. On vous laisse, je vous laisse ici. Bon travail, bon cours. À la prochaine.